dangereuse. Pour votre protection, les vestons de sauvetage et leurs instructions peuvent être trouvés à plusieurs endroits sur le bateau. On vous encourage à prendre quelques moments pour étudier ces instructions. Les bateaux de sauvetage sont aussi à bord et au cas d'urgence, seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur la pointe de métal sur le pont. Ainsi, on vous prie de garder les enfants éloignés des passagers. Gênez-vous pas de demander n'importe question. Nos membres d'équipe sont toujours à votre disposition. The first mate of the missile was a qualified student. The mate of the missile was a very president, kings, and countless other tourists from all over the world. The missile can now be that much out of the Canada and the French community in movies some taxes. Le premier mate of the missile is a bateau de vapeur qui brûle au charbon. Le bateau mate of the missile is a bateau de passagers et de prisonniers et de la voie, ainsi que de touristes du monde entier. On the left is the American Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. Most of the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. 12,000 years ago, the falls were 7 miles, or about 11 kilometers downriver at Lewiston. You now see them at the pressure line, because of the ocean, sometimes as much as 6 feet or 2 meters a year. The small falls to the right of the American Falls is called the Grand River. The walkway at its foot leads to the Cave of the Winds. Elles sont environ 255 mètres ou 280 pieds en hauteur, avec une longueur de 335 mètres ou de 1100 pieds. La majorité des roches à la base des chutes sont le résultat de deux éboulements spectaculaires qui ont eu lieu en 1831 et 1850. Il y a 12 000 ans, les chutes se trouvaient à 11 km ou 7 000 d'ici à Minnesota. Parfois jusqu'à 2 mètres ou de 6 pieds par année, nous constatons les chutes à l'horreur présente. La petite chute à la droite de la chute américaine, surnommée Boîte Vert. Les sentiers à la base de la chute mènent à la caverne des vents. Separating the American Falls from the Canadian Falls is Goat Island. Divise la chute américaine et la chute canadienne. Taylor was in reality 63 years old when she went over the falls in a wooden barrel and lived.
was a miracle that he survived. Roger was rescued almost on this very same spot by a mate of the Miss Boat. To the extreme left of the Horseshoe Falls is Terrapin Point, through which passes the international borderline between the United States and Canada. Beneath us, the water plunges to a depth of 180 feet, or 55 meters. The water that flows over the falls comes from four of the five Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons des chutes canadiennes, où les chutes partent à cheval. Ces chutes sont 52 mètres de 276 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres de 2500 mètres. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. Est-ce qu'à cet endroit-là,